Hoy tenemos a David Stasey, no David Stasey, como muchos leen cuando han visto su nombre publicado. David es antiguo alumno del máster de esta casa de interpretación. Antes de eso había estudiado filosofía en la Universidad de la Sorbonne. Era traductor cuando empezó su máster de interpretación de conferencias y la vida al final pues le llevó a Bruselas, a las instituciones, donde ha terminado como experto lingüista, ¿lo he dicho bien? Administrador lingüista en la Secretaría del Consejo de la Unión Europea. Y él nos va a explicar ahora un poco todo eso del Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, ahorrándome a mí luego en cuarto muchísimo trabajo de explicación porque no es un asunto nada fácil. Pero creo que además de eso nos va a hablar de otras cosas que serán interesantes. Tenéis interpretación a cargo y cortesía de nuestros estudiantes del MUIC, del francés al castellano. Fuera hay bolsas con material que nos ha mandado el Consejo, que creo que algunos ya habéis podido coger. Os las podéis llevar luego si no habéis cogido ya a la salida. Y tiene usted la palabra, señor Stasey. Donc bonjour. Je vais faire cette présentation en français afin que nos collègues puissent interpréter vers l'espagnol et aussi parce que c'est très européen. En fin de compte, un espagnol qui fait une présentation en français en Catalogne, c'est tout à fait habituel. Donc bienvenue. Merci beaucoup de vous être déplacé aujourd'hui. L'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter mon travail au Conseil. Comme l'a dit Guillaumard, je suis fonctionnaire, administrateur, linguiste. Et avant même de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je suis tenu de vous rappeler que les avis exprimés n'engagent que moi et ne peuvent nullement être considérés comme une position officielle du Conseil de l'Union européenne. Par ailleurs, je tenais à remercier Guillaume Stampa et Marta Lumi, les coordinatrices du Master d'interprétation de conférence pour l'invitation, ainsi que le secrétariat qui m'a permis de venir aujourd'hui, qui vous a envoyé beaucoup de matériel et qui m'a donné aussi du temps pour préparer cette belle présentation. Il y a énormément de matière, probablement trop de matière, pas seulement pour une heure, mais même pour une journée. Je vais donc essayer de faire en sorte que ma présentation ne ressemble pas à ça, ce qui est un vice des présentations PowerPoint institutionnelles et probablement pas que. Et je vais plutôt viser un cheval honnête de peintre du dimanche, tout à fait digne, et essayer de vous donner un aperçu de l'ensemble des questions que je souhaitais traiter. Je vais donc passer rapidement sur certains points, mais nous avons une bonne demi-heure de questions-réponses après. Si vous avez des doutes sur quoi que ce soit, je me tiens évidemment à votre disposition. Je vais donc commencer par me présenter. Et plutôt que de répondre à la question déjà vue mille fois de « qui suis-je ?», j'ai pensé me demander, en fait, « d'où parles-tu ?». C'est une question que l'on posait souvent en France après les émeutes de mai 68. C'est aussi en accord avec le climat actuel, me direz-vous. Et qui met plutôt l'accent sur la structure, c'est-à-dire quelle place occupe-t-on dans une structure. Car en fin de compte, l'être biographique n'est que peu de choses face à la structure sociale. De façon très littérale, je vous parle de mon bureau à Bruxelles. Voilà, photo prise sur le vif, je ne posais pas du tout pour cette photo. C'est une collègue qui est passée. Je rigole, évidemment. J'essayais surtout de ne pas rire, ayant conscience que quelqu'un est en train de me prendre en photo. Alors que je faisais semblant de travailler. C'est mon bureau pour de vrai, il ressemble à ça. Mon chef trouve qu'il fait peut-être un peu jeune, mais ce n'est pas très grave. Et vous pouvez voir déjà un certain nombre de choses. Nous n'avons pas de belles vues classiques dans le quartier européen à Bruxelles. Et nous n'avons pas de papier non plus. Nous sommes un bureau depuis quelques années essentiellement paperless, donc qui travaille uniquement sur ordinateur, et nous avons tous deux écrans, car c'est nécessaire pour la quantité d'informations que nous devons traiter en temps réel, beaucoup de versions d'un même document, beaucoup d'ouvrages à consulter, et afin de nous permettre de mener à bien notre tâche le plus rapidement possible, nous avons deux écrans, certains chanceux en même trois, ce n'est pas mon cas. Donc c'est un bureau parfaitement standard de traducteur, administrateur linguiste, au bâtiment Lex, où sont tous les traducteurs du Conseil,
il est tout à fait standard, mais mon parcours, comme l'a dit Guillaumard, ne l'est pas forcément. J'ai choisi de vous représenter ma vie sur un plan géographique plus que temporel, car chacune de ces étapes, en fait, et chacun de ces lieux est une étape dans mon parcours. Je vous la fais extrêmement vite, je ne suis pas particulièrement intéressant. Je suis né au Mexique, j'ai grandi à Barcelone, je suis un ancien élève du lycée français. Après le bac et la sélectividad, je suis parti en France, j'ai fait une prépa littéraire, donc une prépa, c'est un système parallèle à l'université, où l'on peut étudier énormément de matières en même temps, donc de l'histoire, de la philosophie, de la géographie, des langues vivantes, des langues mortes, de la littérature, évidemment, littérature française. Et après 2 ans de prépa, je suis parti à la Sorbonne. J'ai fait une licence de philosophie. Je suis passé aussi par Sciences Po pour faire un master de relations internationales. Ça ne m'a pas plu. Je suis revenu à Aix-en-Provence, en l'occurrence, d'où le petit dé qui descend vers le sud de la France, un master en philosophie analytique. Et après, je suis revenu à Barcelone. J'ai travaillé pendant des années dans une entreprise. Avec la crise, je n'ai plus travaillé dans une entreprise. Du coup, j'en ai profité pour me former encore un peu et venir faire un master ici, à la UAB. Grâce au master, non seulement j'ai appris à être interprète, mais j'ai pu aussi aller à Bruxelles pour la première fois. Il y a une visite pédagogique qui est faite pour les élèves et donc j'ai commencé à prendre contact avec la sphère européenne. J'ai fini mon master et ma volonté était vraiment de travailler en tant qu'interprète. J'adore ce métier, vraiment. Et j'aimais beaucoup aussi la liberté que me confère d'être mon propre chef, d'être un freelance. Néanmoins, la situation économique m'a appris à ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et j'ai donc passé, dès l'été 2014, donc juste après la fin de mon master, un concours de traduction de l'UE. Et c'est une procédure assez longue. Donc en 2015, j'ai eu mes résultats, j'étais sur la liste de réserve, j'ai fait un stage au conseil de l'UE, on en parlera. Et finalement, en janvier 2017, j'ai pris ce choix. Et je suis parti avec ma femme à Bruxelles pour devenir interprète, traducteur, justement, pas interprète. Cela fait donc 3 ans qu'on y est et je vais aujourd'hui vous parler très rapidement de ce que cela veut dire. Commençons. Je ne vous lis pas le plan, il est long, vous le voyez. Il y a 3 grandes parties. Un cadre institutionnel, la première partie, que sont les institutions européennes, leur fonctionnement. Une deuxième partie touche mon travail, le travail de traduction au sein des institutions. Et la troisième partie, peut-être la plus intéressante pour vous, jeunes étudiants, comment rentrer à l'UE. Si ce que je vous raconte vous intéresse, vous voudrez peut-être rentrer un jour. Très rapidement, voici une liste d'institutions, d'organes. Je ne rentre pas dans les détails. Vous voyez qu'il y en a 2 qui ont une couleur un peu différente. C'est mon institution, puisqu'en fait, mon institution n'en est pas vraiment une. C'est un secrétariat général qui travaille pour le Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui se réunit au moins 4 fois par an à Bruxelles, ainsi que pour le Conseil de l'Union européenne, où se réunissent régulièrement les ministres et représentants des États membres. Il y a une petite vidéo pour vous expliquer ça, je vous la montre tout de suite. What is the Council? When asked to name the main EU institutions, people usually say the Commission, the Parliament and the Council. But the Council actually refers to 2 different institutions, the European Council and the Council of the European Union. They are not the same. But they do have similar names, and they also share the same buildings and staff, the General Secretariat of the Council. No wonder people are sometimes confused. They might have similar names, but they have very different roles and membership. The European Council sets the EU's political direction and priorities. It does not negotiate or adopt EU laws. It is made up of the heads of state or government from each EU country and meets at least 4 times a year. Meetings are chaired by the President of the European Council, who is elected every 2.5 years. So that's the European Council. But what about the Council of the EU? Well, it negotiates and adopts EU legislation together with the European Parliament.
It is made up of national government ministers grouped together by policy area. For example, economic and finance ministers meet to discuss financial affairs, and ministers of justice negotiate justice issues. It also coordinates policies in certain areas, develops the common foreign and security policy, concludes international agreements, and adopts the EU budget with the European Parliament. The presidency of the Council rotates among the EU member states every 6 months. You may also have heard of the Council of Europe, but this is not an EU institution. Once you get the hang of it, it's pretty straightforward. The European Council sets the EU's political agenda. The Council of the EU negotiates and votes on legislation. Find out more on our website at concilium.europa.eu. Voilà donc, je pars du principe que vous êtes des experts et vous serez capable d'expliquer à quiconque la différence entre le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen. Bien évidemment, vous avez énormément d'informations dans la documentation qui a été envoyée et, comme ils le disent, sur le site. Passons maintenant au service qui est le mien, le service de traduction, aussi appelé LING depuis la dernière modification de la structure. Vous avez essentiellement le bâtiment Lex en photo. C'est là que je travaille, 4e étage, plutôt vers le milieu, sur la rue de la Loi. Et vous voyez qu'il y a toute une série de services qui sont censés simplement nous faciliter la tâche. L'unité d'opération se charge donc du planning et du support, c'est-à-dire que quand une direction générale demande un document, c'est eux qui disent d'accord, pour quel jour, pour quelle raison, et négocient les délais. En plus, la coordination terminologique voit s'il y a quelque chose d'important et propose des fiches de IAT, on parlera de IAT plus tard, pour nous faciliter la tâche. Dans le planning et support aussi, il se charge de faire les comparaisons de documents, on parlera des DocuCom plus loin dans la présentation, et essentiellement, en fait, nous fournissent tout ce dont on peut avoir besoin pour mener à bien notre travail. De l'autre côté, l'unité de ressources, technologie de la langue, vous vous en doutez, Studio, on travaille sur Studio comme énormément d'institutions, et aussi tout ce qui est la, permettez-moi un anglicisme, la customisation de Studio. Nous avons une version faite spécialement pour nous, nous sommes un très gros client de SDL, et nous avons rajouté des plugins, ce qui fait que quand je reçois un document, je fais double clic quelque part, je tape le numéro et tout est déjà là. Je n'ai pas à aller chercher à droite et à gauche. Nous avons finalement une bibliothèque linguistique très fournie en ouvrages de référence et on peut en plus demander l'achat d'ouvrages au cas où on en aurait besoin pour une traduction particulièrement compliquée. Le cœur, si vous me permettez, du service de traduction sont bien entendu les unités linguistiques qui donc se divisent ainsi. Il y en a 24, tout en haut, un chef d'unité qui ne doit pas forcément parler la langue de l'unité. Notre chef est portugais, il parle espagnol. Mais par exemple, le chef des Suédois est un Espagnol, le chef des Maltais, si je ne m'abuse, est allemand, etc., etc. Tout se fait en anglais, qui est la langue de communication, ou en français aussi, mais on en parlera. Le contrôleur qualité a un rôle très important. Nous sommes nombreux, nous sommes 24, comme vous pouvez le voir. Nous produisons énormément de documents tous les jours. Et évidemment, comme dans toute institution ou entreprise, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des corrections, il peut y avoir beaucoup de choses, ou au contraire, tout peut très bien se passer. Le contrôleur qualité est là pour ça. Il est en liaison avec la représentation permanente des États, qui sont un de nos clients principaux, donc dans notre cas, la représentation permanente espagnole, et il s'assure de nous dire, par exemple, au fait, dans ce document, on m'a dit qu'il vaudrait plutôt mieux utiliser ce terme-là que tel autre, ou dans ce document, il y a une coquille, ou au contraire, il fait des analyses randomisées, tout va très bien, la qualité attendue du service est là, donc voilà son rôle. La coordination locale, c'est plutôt simple, la personne qui distribue le travail, elle reçoit tout le flux de documents, elle dit toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et le gestionnaire de ressources nous permet d'être ici aujourd'hui, je suis passé par lui pour demander la permission, nous donne nos vacances, nous appelle si jamais on n'est pas au travail parce qu'on est malade, etc., etc. 24 traducteurs,
et 6 assistants qui se chargent essentiellement de la préparation des projets et de la finalisation, c'est-à-dire la mise en page sur Word, puisque nous on travaille sur Studio, mais aussi l'alignement des segments dans les mémoires de traduction. Je vais vous présenter, de façon assez sommaire, le flux de travail dans le service de traduction. Tout commence évidemment par une demande. Quelqu'un a besoin d'une traduction pour une date donnée. Je vais simplement insister sur ce qu'on appelle la politique Core Documents. C'est assez essentiel. C'est une politique qui dit qu'on ne traduit pas tout de façon aléatoire ou arbitraire, mais on ne doit traduire que des documents considérés essentiels. Cela aura son importance parce qu'il y a quelques années, on traduisait toutes les versions d'un document, de la proposition de la Commission jusqu'à l'acte adopté. Et maintenant, on saute quelques étapes, ce qui a évidemment des répercussions pour notre travail. Le planning et le soutien, on en a déjà parlé. Coordination locale aussi. Vous voyez simplement l'ordre dans lequel les choses se passent. Préparation du projet, ou bien nous, ou bien un assistant, ou bien les deux, parce que parfois les assistants nous demandent de l'aide pour savoir, par exemple, par où diviser un document. Si c'est un très long document, il faut faire des unités logiques, pas couper arbitrairement. Phase de traduction, jusque-là, je pense que tout va bien. Phase de révision, car on travaille toujours comme ça, une personne traduit, une personne révise, sauf dans les documents vraiment courts ou de procédure, où essentiellement la machine fait tout, et c'est le traducteur qui simplement vérifie les dates, les chiffres, et que tout soit à sa place. Finalement, nous avons la validation. J'ai mis un point d'interrogation, parce que même si ça fait partie des bonnes pratiques de l'institution, ce n'est pas encore complètement en place dans toutes les unités. La validation, c'est simplement l'idée qu'une fois que le réviseur a fini de réviser, il revient vers le traducteur et il lui dit « J'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Que dirais-tu de faire ce changement-là » etc. L'idée étant que tout le monde peut se tromper, y compris le réviseur, et afin d'éviter qu'en phase de révision, une mauvaise compréhension, par exemple, ou un a priori erroné, nuise à la qualité de la traduction, le traducteur peut dire « Attends, j'ai mis ça, même si ça paraît bizarre, parce que… » et on peut donc s'expliquer. Finalisation, c'est simplement archiver le document et le mettre à la disposition du client et dans notre logiciel interne qui s'appelle CARS. Ça n'a aucune importance, c'est là où sont stockés tous les documents du conseil. Je vous ai parlé de procédures de travail, il y en a énormément. Je ne vous ennuie pas, vous pouvez voir simplement pour toutes les étapes et pour tous les types de documents, il y a une façon de procéder. Au début, quand les collègues arrivent, ils sont évidemment un peu perdus. Il faut d'abord savoir de quel document il s'agit et de quel moment de la procédure. Est-ce qu'on est au début? Est-ce qu'on est au milieu? Est-ce qu'à la fin? Parce qu'en fait, le travail de traduction n'est pas le même. On ne relit pas 400 pages de règlement à chaque fois si on doit simplement changer des définitions, par exemple. Donc nous avons des procédures de travail communes et nous avons aussi des outils. Je vous ai parlé de Studio. Nous avons IAT. Base de données terminologiques de l'Union européenne publique. Vous pouvez tous accéder à IAT. Vous trouverez des fiches sur tout. Un nom de poisson, un nom de plante, comment on traduit un produit bancaire, comment on traduit une institution ou ce que vous voulez. Tout ça, ça y est sur IAT dans toutes les langues officielles et même quelques fiches en arabe, en russe, en chinois. Si vous devez préparer un travail sur un sujet qui est dans les sujets que traite l'Union européenne, c'est à mon avis une ressource immanquable pour vous. Euramis, c'est un archive où sont stockées toutes nos anciennes traductions et on y a accès très facilement. Donc si jamais il y a un segment qui a l'air, parce qu'on développe un flair quand on est traducteur, qui a l'air d'avoir déjà été traduit, parce que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, on consulte et effectivement, souvent, il vient d'un document précédent, peut-être même pas dans le même domaine, mais si ça se trouve, c'est le même rédacteur qui avant travaillait à la pêche et qui maintenant est aux finances et qui aime une certaine tournure. Donc c'est un répositoire qui nous permet d'avoir accès à tout ça. Eurlex, encore une fois, tout à fait public, le droit de l'Union européenne, les propositions de la Commission, les traités, tout se trouve là-bas dans toutes les langues officielles. Pour nous, c'est essentiel, puisque les actes juridiques, en général, doivent commencer par « en vertu de l'article numéro dadada du traité lu en conjonction avec tatatata »,
nous proposons cela, la base juridique d'un acte. Mais aussi, vu la directive, donc Eurlex, essentiel pour la cohérence de la législation européenne. Nous avons un code de rédaction interinstitutionnelle. Les documents doivent tous être traduits à peu près de la même façon, même si le traducteur est différent et même si l'institution est différente. Nous avons un manuel commun de la procédure législative ordinaire. On en parlera plus tard. C'est pour que tous les actes juridiques se ressemblent. Et nous avons aussi des canaux pour poser des questions. Parce que si un paragraphe est réellement incompréhensible, on ne peut pas inventer. Donc on envoie une question. Cher rédacteur, on ne s'adresse pas à lui directement, ça passe évidemment par une tierce personne, mais que voulez-vous dire, page 7, paragraphe 4, ligne 7, est-ce qu'il manque un adjectif? Est-ce que ce changement est délibéré? Est-ce que cette date est juste? Parce que j'ai vérifié, et en fait cet acte était approuvé 3 ans avant, 2 jours après, etc. etc. Et Élise sert à faire la même chose, mais avec les autres institutions. Donc on laisse des mots pour les juristes linguistes, pour le Parlement, pour la Commission. C'est une façon de communiquer entre nous. Et nous avons aussi des outils propres. J'ai mentionné CARS, où nous stockons tous nos documents, et des DocuComp, dont on va parler très longuement après. Donc je pense qu'après tout ce que je viens de dire, vous vous en doutez, mais on ne traduit pas n'importe comment. Allez-y. Alors, la coordination centrale de terminologie s'occupe en fait de préparer des projets. Donc, par exemple, ils disent il y a une directive sur l'aluminium qui va être adoptée. Toutes les unités feraient bien de travailler le sujet et ils nous donnent un tableau avec des termes qui doivent être traduits, déjà préparés. La terminologie locale fait ça dans chacune des unités. C'est ça la question que vous posiez? Donc en fait, il y a une structure qui indique ce qu'il faut faire et la structure locale le réalise, donc nous en espagnol, les Français en français, etc. etc. Donc je n'ai pas mis au hasard backstop. Est-ce que vous savez d'où vient le mot backstop? Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? C'est exactement ça, c'est très bien. Donc, c'est une solution. En espagnol, on a proposé plusieurs possibilités. Au début, il y a un tâtonnement. On est resté sur solution de salvaguardia, entre autres. Et j'ai pris ce terme-là parce que c'est quelque chose de tellement essentiel à l'actualité qu'il fallait déterminer très tôt ce que l'on pouvait dire et ce que l'on ne pouvait pas dire. Donc, il y a même un article de Punto y Coma. Vous connaissez Punto y Coma? Donc je vois des têtes qui hochent, c'est donc une publication des unités espagnoles de toutes les institutions. Et en mai-juin 2018, il y a eu un article sur le backstop, très bref, mais pour fixer la bonne traduction. Des questions? Je continue? C'est bon? Très bien. Donc je vous ai parlé maintenant de la structure. Voyons les documents que nous traduisons. Essentiellement de la législation, vous vous en doutiez. Nous sommes une institution politique, nous travaillons main dans la main avec le Parlement et avec la Commission. Règlement, directive, décision, recommandation. Je vous fais grâce de la différence, c'est des actes législatifs. Tout ça va dans le journal officiel de l'Union européenne. Des textes politiques, nous sommes une institution extraordinairement politique. Les représentants des gouvernements sont là, toujours, à différents niveaux. Donc, le texte le plus représentatif, c'est les conclusions. Donc le Conseil, vous l'avez vu dans la vidéo, se réunit dans différentes formations et produit des conclusions, par exemple sur la politique d'emploi à l'égard des jeunes, mais aussi en termes de politique extérieure, des conclusions sur la situation au Venezuela, j'ai pu traduire ça. Et il y a aussi donc, les conclusions du Conseil européen, qui est le document, puisque ce n'est pas au niveau des ministres ou des groupes de travail, mais des chefs d'État et de gouvernement que ça se passe, on le verra après. D'autres textes, évidemment, vous pouvez voir, procès-verbaux, c'est-à-dire dans telle réunion, c'est ça qui s'est passé, cette délégation a dit ça, la présidence a répondu que, des infographies, vous en avez vu une
animé tout à l'heure sur la différence entre les deux conseils, des notes pour les ministères, parce que c'est pour eux que l'on travaille aussi, le site web, des sous-titres pour des vidéos, énormément de travail. Et tout cela depuis l'anglais. Je l'ai mis en doré, j'aurais voulu le faire briller de mille feux. Nous travaillons depuis l'anglais à plus de 95%. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était le français qui était la langue du conseil. C'était une institution qui a résisté à l'anglais assez loin dans le temps. Mais à un moment donné, notamment avec l'arrivée des nouveaux pays en 2004 qui avaient une tradition plus anglophone que francophone, nous sommes passés à l'anglais. Certains services gardent le français, juste pour le détail, le service juridique du conseil continue à publier ses opinions en français et la langue de travail est le français. D'ailleurs, le chef, il vient de prendre sa retraite du service juridique du conseil, s'appelait Monsieur Légal, Hubert Légal. C'est le plus bel aptonyme que j'ai jamais vu. Donc, il y a une quinzaine d'années, moi, je dirais, j'essaie de synthétiser que c'est ça qui s'est passé. Pour ceux qui connaissent, c'est un mème du Facebook pakistanais où un homme a changé de meilleur ami et a voulu le faire savoir à tout le monde. Donc, nous sommes passés de la langue de Molière à la langue de Shakespeare. Voyons donc maintenant les caractéristiques de la traduction au conseil. Avant tout, et je ne l'ai pas noté parce que ça va de soi, une grande responsabilité. Souvent, on est pris d'un certain vertige, on traduit la loi. Dans le cas d'un règlement, ce qui sort de notre ordinateur passe chez les juristes linguistes et arrive directement dans le journal officiel de chacun des pays avec une application directe. S'il y a un problème de traduction, ça va aller directement au tribunal et ça a déjà été le cas. Donc la responsabilité et à la fois l'ambiguïté et la précision. L'ambiguïté, parce que l'ambiguïté est nécessaire en politique. Pour faire approuver un texte controversé, un texte difficile, si on laisse un adjectif pas très précis, several, ça peut faire passer entre les pays qui considèrent qu'il faut que 3 personnes le fassent et ceux qui considèrent que 8, several. Ça laisse de la marge. Il faut être extrêmement soigneux de maintenir l'ambiguïté là où elle doit être, mais surtout de ne pas l'introduire là où elle ne doit pas être, d'où le besoin de précision. Je vous ai déjà parlé des actes qui doivent être tous pareils, uniformité et cohérence. Nous sommes une institution qui parle d'une seule voix. Donc nous devons tâcher à tout moment de faire un travail cohérent, non seulement entre nous, puisqu'un long document divisé en plusieurs parties va devoir être harmonisé en termes de terminologie, en termes de rédaction, mais aussi avec tout le corpus traduit en espagnol depuis des décennies d'actes juridiques, car ils se répondent. Et si dans un acte de 95, un terme a été traduit d'une certaine façon, il doit rester traduit de la même façon pour que le législateur espagnol voit et dise « D'accord, on parle bien de la même chose ». Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour l'inventivité en ce qui concerne la terminologie. La variété, je vous l'ai expliqué, beaucoup de choses différentes. Et une flexibilité et rapidité. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le fonctionnement du Conseil, je vous l'explique tout de suite. La présidence change tous les 6 mois. Donc, actuellement, vous pourriez me dire quel pays a la présidence du Conseil de l'UE actuellement ? Ce n'est pas très important, c'est la Finlande. Et donc, chaque pays a 6 mois pour laisser son empreinte dans l'Union européenne, d'une certaine façon. Au début de la présidence, ils publient leurs priorités. Donc, ils disent, nous, on va s'occuper essentiellement de tel domaine. Dans le cas de la Finlande, c'est l'économie du bien-être. C'est leur tagline, si vous voulez. Donc, ils s'occupent énormément de politique sociale. Le cas de l'Estonie, qui ont eu une présidence c'était en fin 2017, c'était le numérique. Je pense qu'ils ont numérisé tout ce qu'ils ont pu. Et plus encore, cyber, informatique, etc. Donc, nous devons être capables de répondre à leurs attentes en fin de présidence, quand ils voient qu'il leur reste 1 mois ou 2 mois avant la fin. Ils essayent d'organiser énormément de réunions et de faire approuver, car c'est toujours bien de dire qu'on a fait approuver la directive sur la numérisation des études. J'invente, cela n'existe absolument pas. Donc nous avons des pics de travail très importants, mais aussi des périodes de creux. Début de présidence, le temps qu'ils prennent leur marque. On peut se consacrer à d'autres tâches, comme la terminologie, par exemple. Et c'est pour ça
que dans la diapositive, je ne me suis pas présenté comme traducteur, mais comme administrateur linguistique, parce que nous ne faisons pas que de la traduction. Donc la rapidité dont je vous ai parlé reste tout de même essentielle, parce que les périodes de creux sont plutôt rares par rapport aux périodes de pic. Et du fait de la nature de notre institution, très très politique, ils ont parfois besoin d'un document tout de suite pour pouvoir faire une déclaration publique ou pour pouvoir débattre dans une réunion. Et souvent, voilà le sentiment d'un traducteur au Conseil qui doit travailler contre la montre tout en ayant conscience que le moindre faux pas aura des répercussions politiques non négligeables. Voilà une partie de notre travail, la partie, disons, la plus politique au sens politicien du terme, mais voyons un autre pan, le travail législatif. Je ne vais pas vous expliquer tout dans le détail. Retenez de ce schéma qui n'est pas parfait que la Commission européenne fait une proposition, la Banque centrale, le Comité économique et le Comité région donnent un avis, mais qui n'a pas de poids, n'est pas juridiquement... le terme échappe, et on ne doit pas en tenir compte forcément, juridiquement. Et après, entre Conseil et Parlement, ils débattent. On appelle ça aussi la co-décision. Conseil et Parlement sont les co-législateurs. Cela n'était pas comme ça, je ne vais pas vous faire un cours historique, mais maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Ce schéma se concentre sur ce mouvement de va-et-vient entre Conseil et Parlement. C'est-à-dire que la Commission présente, le Parlement s'en empare, fait une lecture, la propose au Conseil. Si le Conseil l'accepte, l'acte est adopté. C'est rare. C'est souvent pour des choses qui ne sont pas réellement politiques. Si le Conseil n'est pas d'accord, il propose des amendements qui vont après au Parlement, qui doit les approuver. Vous voyez ce mouvement de va et vient. Il y a finalement des dialogues à trois. Si on arrive à un accord, l'acte est adopté. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, comme les deux institutions doivent donner leur bénédiction, l'acte peut ne pas être approuvé après des années et des années de travail. Donc, la traduction des textes législatifs est un exercice très, très délicat. Vous venez de le voir. Et vous pouvez vous douter qu'il porte sur des domaines très différents. J'ai pu parler de pêche, de médecine, d'agriculture, de ce que vous voulez, notamment d'économie. Les textes d'économie sont redoutables pour tous les traducteurs, car il ne faut même pas être bon, il faut être spécialiste. C'est des ministres d'économie, des techniciens qui peuvent débattre, des technocrates, pendant des heures, sur est-ce que ce produit financier doit avoir ces caractéristiques-là ou celles-là. C'est extrêmement délicat. Vous pouvez vous imaginer notre tête quand on reçoit 150 pages de directives et, essentiellement, on comprend les prépositions. Nous avons, évidemment, tout le soutien dont je vous ai parlé au début, terminologie, et c'est pour ça que nous en sortons. Mais vous pouvez parier que les conversations de repas tournent autour d'eux, mais est-ce qu'eux-mêmes, ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire ? Voyons à travers un exemple d'une directive beaucoup plus aimable, si vous voulez. Vous pouvez voir le titre, ça porte sur la vie familiale et la vie professionnelle. Je voulais vous montrer deux choses. Premièrement, je voudrais vous montrer le considérant 13. Vous savez ce qu'est un considérant ? Comment est organisé un acte législatif ? Très rapidement, un acte législatif suit une même structure. D'abord, il y a les vues. Donc, vu le traité, vu telle chose, etc., c'est très bref. Puis des considérants. On expose en fait le propos, de quoi va parler et pourquoi on va faire cette loi. Les considérants répondent aux articles. Donc, souvent, les spécialistes du droit utilisent les considérants pour comprendre la partie des articles qui a, elle, une valeur légale. Les considérants sont, disons, des considérations politiques plus générales. Donc, voilà, le considérant 13, la Commission a proposé quelque chose dans le but de ta-ta-ta. Vous pouvez voir, c'est en espagnol. Je ne vais pas obliger les pauvres interprètes à faire une traduction à vue d'un considérant de législation européenne. Et la présidence estonienne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc on est passé
du 26 avril au 24 novembre, donc à peine quelques mois. Dans le document, tout est linké. Si je voulais, je peux vous passer la présentation. Vous pouvez aller voir tout ça de plus près. Ils ont fait des changements et ils ont prévenu. Los cambios respecto a la propuesta de la Comisión se señalan en negrita. Los cambios respecto a la última propuesta transaccional de la Presidencia se señalan en negrita subrayada. Vous avez donc déjà dans l'idée que le texte que vous avez entre les mains est ce qu'on appelle un palimpseste. C'est-à-dire, c'est un texte dans lequel on peut lire d'autres textes en dessous. Et c'est délibéré. Les négociateurs veulent voir. D'accord, on en était là la dernière fois. On est parti de là. Maintenant, nous en sommes là. Le problème, et je vous ai parlé de la politique des core documents, c'est que tous les documents ne sont pas traduits. Donc, quand la présidence estonienne fait juste quelques changements, vous pouvez voir en gras souligné juste quelques trois lignes avant la fin, nous avons, nous, en bleu, c'est-à-dire dans le DocuCom, et c'est ça un DocuCom, c'est une comparaison de documents qui est en train de nous dire, en fait, non, pratiquement tout est neuf. Donc, en tant que traducteur, on reçoit la proposition de la Commission. Et pour un premier passage chez nous, on doit déjà être un deuxième passage pour les administrateurs politiques. Donc, vous voyez qu'il faut faire un exercice non seulement de traduction, mais aussi de mise en situation. Nous n'avons pas assisté à cette réunion, mais devons imaginer ce qui a été dit. Donc, le mettre, en l'occurrence, uniquement en gras, sans le souligner. Et là, ça va, parce que c'est que des ajouts. Mais je vous laisse imaginer ce que c'est une dernière version où nous avons trois couches à partir de la proposition de la Commission. Et il y a des éléments qui ont été supprimés, mais qui n'avaient jamais été là pour nous, parce qu'ils ont été ajoutés et supprimés en deux versions qui n'ont jamais été traduites. Donc on fait un peu une sorte d'archéologie. On reconstruit des documents inexistants pour donner finalement un produit cohérent aux représentant de l'État membre qui va devoir décider s'il peut ou pas approuver ce document. Donc, revenons à cette même directive, à un autre élément, c'est aussi au travers d'un DocuComp. Je voulais vous montrer le travail de négociation. Commençons avec la définition. Dans chaque acte législatif, il y a un article au début où l'on définit les termes. C'est nécessaire. Imaginez, on dit, dans ces directives, client sera, si c'est dans le domaine de l'informatique, la personne qui achète des services informatiques à une entreprise tierce. Deuxième définition, entreprise, comme ça, tout est clair dans le cadre de ce document. Parfois même, les définitions sont des renvois. Client, tel que défini dans la directive de l'année 95. Ça forme donc un tout cohérent, comme je vous ai expliqué. Dans ce cas-là, c'est sur les soins, les personnes qui s'occupent d'autres personnes. La Commission avait proposé, de façon très modeste, « Trabajador que dispensa cuidados o presta ayuda en caso de enfermedad grave o dependencia de un familiar ». Rien à répondre, c'est bien la définition de « cuidador ». La présidence estonienne trouvait, et ce n'est pas la présidence elle-même, évidemment, la présidence fait office de secrétaire, elle recueille les avis de toutes les délégations et essaye de refléter dans un document ce qui s'est passé au cours d'une réunion. Donc, au cours de la réunion, il a dû y avoir des États qui considéraient que c'était trop ou pas assez. On se retrouve donc avec « Trabajador que dispensa cuidados o presta ayuda a un familiar necesitado de cuidado o ayuda debido a una enfermedad grave o una discapacidad ». Vous voyez, on a gardé « enfermedad grave », on a rajouté « discapacidad » et on a précisé « à qui ». La Commission ne précisait pas, ça aurait pu être un... Ah non, pardon, elle avait familial, on l'a changé de place, et par contre, on a rajouté la notion de handicap. Le texte commence son voyage, c'était donc la première fois qu'on le traduisait, et se retrouve 2 ans après, parce que même pour une directive qui ne touche pas de l'argent, qui sont en général les plus difficiles à négocier, avec la première lecture du Parlement européen qui a eu lieu en avril de cette année. Au cours des différentes étapes, on a rajouté tout cela. Je vous fais grâce de la lecture. On est parti de ça. On a abouti à ça. Vous voyez clairement en gras, et c'est ça l'objectif de ces versions, tout ce qui a été rajouté, nuancé. Vous voyez, conforme a lo definido por cada Estado miembro. Ça sent à plein nez une délégation qui ne voulait pas
qu'on lui impose quelque chose et qu'il souhaitait garder le contrôle sur une définition de ce qui était, de ce qu'était un motivo médico grave. Ce mouvement de vouloir lâcher du pouvoir et garder le contrôle est essentiellement européen, puisque vous savez que les États membres cèdent des compétences à l'Europe, mais souhaitent en garder d'autres. La politique fiscale est l'exemple le plus classique. Donc tout ça, je suppose, je vous vois avec des yeux très ouverts, a l'air très précis, très scientifique, très mesuré. Mais je ne vous cache pas que tout cela se fait en anglais, qui plus est en EU English, qui n'est pas vraiment de l'anglais, qui est une langue à part entière, parlée dans les couloirs des institutions, qui n'a par ailleurs aucun locuteur natif. Souvent, l'unité anglaise ne comprend pas plus que nous ce que ça voulait dire. Si le rédacteur est espagnol, s'il est polonais, s'il est tchèque, s'il est français, son anglais, EU English, va être différent. Donc voilà notre travail quotidien. On peut passer des heures à se demander si cette phrase qui paraît incompréhensible l'est parce qu'on n'a pas réussi à rentrer dans l'esprit du législateur ou simplement parce qu'il manque un bout de phrase qui est tombé dans le copy-paste. C'est du vécu. Je vais faire une petite pause en vous montrant une autre vidéo, car on va rentrer dans la quintessence de notre sujet, les sommets européens. Voilà, je suis en route pour le Conseil européen sur invitation de notre président Donald Tusk. Ce sont des réunions régulières ici à Bruxelles où il est important qu'en tant que chef d'État et chef de gouvernement, on se retrouve autour d'une table pour prendre des décisions importantes et qui concernent surtout la vie aussi de nos concitoyens. Comment ça va ? The European Council is the highest political body of the European Union. In the European Council, the democratically elected leaders of all member states get together. They do so to take the big decisions for the Union, the decisions which are about the long term, but also sometimes very concrete decisions, such as on budget, where only the leaders can really take the decisions. They meet here together alone. They don't have their officials with them. They can't speak in their own language if they like. And they have a very informal atmosphere, calling each other by the first name, for example. I'm responsible for the overall preparation of the meeting, of course, under the leadership of President Tusk. But when I do so, I'm supported by the whole staff of the Council, and that is about the substance of the meetings. But of course, it's also very much about the practical arrangements, and for that, the staff of the Council is involved. Bring us even further. A lot is happening behind the scenes. Voilà pour un premier bloc. Je voudrais vous montrer aussi donc le rôle du président du Conseil, Donald Tusk, même s'il va être remplacé très bientôt par Charles Michel. Son rôle restera le même. Donc voici un tout petit extrait sur ce qu'il fait. President Tusk is responsible for planning, for preparing and for chairing the meetings. But in order to do so, of course, he has to work a lot between the meetings. He is quite often on the phone with other leaders. He travels a lot in order to make sure that we know how to get to the conclusions of the European Council, which is always the place where we record the decisions of the European Council. Et finalement, un petit extrait sur ce qui nous touche de plus près, la traduction et l'interprétation. So we're here to interpret the European Council. Interpretation is essential. We're here not just to interpret what the leaders are saying, but to convey what they say with the right tone and the right body language to ensure that their message gets across effectively. So communication is not just what you say, but how you say it.
het woord aan Antonio. Šioje salėje matote vertėjų komandas, kurios dirba ir naktį. Vadovams patvirtinus galutinius dokumentų variantus, dokumentai turi būti išverčiami į visas 24 Europos Sąjungos kalbas. Ein Gipfel ist auch immer tatsächlich eine Möglichkeit, nicht nur unsere Politiker zu sehen, sondern auch eben mal Herrn Macron zu sehen und zu gucken, wie Theresa May sich in Pressekonferenzen verhält. Das ist eigentlich total spannend, dass wir immer von einem Presseraum zum anderen. J'interromps, parce que sinon cette présentation va être beaucoup trop longue. Donc. Voilà. Eso también lo tenéis que interpretar. Donc, vous voyez, les sommets européens sont probablement les réunions les plus importantes de notre institution. C'est là où se prennent les décisions les plus capitales, les décisions qui nécessitent en fait d'une réunion en tête-à-tête entre 28 chefs d'État ou de gouvernement. Le Brexit, par exemple, la Commission négocie, mais par exemple la décision de prolonger ou pas, comme a priori, il va encore se passer cette semaine même, se prend dans des sommets ordinaires ou extraordinaires du Conseil européen. Je pensais que, puisque je suis là, je peux vous raconter plus que la version officielle, la version à la première personne. Donc, j'ai fait partie de l'équipe qui a été lors du sommet du 17 et 18 octobre dernier. J'étais en équipe de nuit. Donc je vous présente en noir Henrique, l'assistant. On a toujours un assistant avec nous qui se charge de distribuer le travail et d'archiver le document et de nous donner du soutien en général. Premier plan avec les cheveux frisés, notre fonctionnaire la plus jeune, Lucia. Isabelle, à droite, traductrice au conseil depuis une bonne vingtaine d'années. Puis il y a moi et au fond mon chef, Louis, qui était là parce qu'il est passé nous dire bonjour et donc j'en ai profité pour le prendre en photo. Il ne participe pas directement à la traduction des conclusions. Donc c'est un processus très long. J'ai eu d'ailleurs la journée de jeudi libre, puisque j'ai commencé à travailler à 8h du soir. Et je vous donne tout de suite la réponse, on a fini à 5h du matin. C'est tout à fait normal. Déjà j'étais content de ne pas finir à 8h du matin, parce qu'on nous annonçait un sommet extraordinairement compliqué, à cause de la Turquie, essentiellement, la situation en Syrie. Donc tout le monde se demandait ce qui allait se passer. Il y a eu des discussions sur l'élargissement, etc. Donc, on n'arrive pas simplement à un sommet, les mains dans les poches. Tout le Conseil se prépare depuis une bonne dizaine de jours avant. On reçoit une première version, ce qu'on appelle un projet de conclusion du Conseil. C'est les fonctionnaires qui le font, évidemment en concertation avec les représentants des États membres. Et on commence à travailler. Première version, on organise une réunion de lecture pour être sûr que tout le monde comprend la même chose. Je ne peux pas insister assez, c'est un document extraordinairement politique et extraordinairement important. Vous l'avez vu au début, le Conseil européen donne les orientations à la politique générale de l'Union européenne. Donc ce document doit être parfait. Nous recevons des versions différentes. En général, c'est l'équipe qui va être au sommet, donc l'équipe de jour et l'équipe de nuit qui s'en occupe, qui travaille. Il y a un projet de terminologie exprès, uniquement pour ces conclusions qui doivent être faites. Nous avons un fil spécial questions-réponses où les personnes sont de garde pour transmettre les questions à la bonne personne et pouvoir répondre et être sûr que tout a été bien compris. Dans ce sommet particulier, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est le sommet au cours duquel a été signé le nouvel accord de retrait, plutôt les quelques modifications qui ont été faites en négociation avec Boris Johnson. Donc on a publié des conclusions du Conseil article 50. Article 50, c'est l'article qui permet le retrait de l'Union européenne. Et nous avons aussi publié la déclaration politique quant au retrait du Royaume-Uni, modifiée. La première version, évidemment, répondait à l'accord tel qu'il avait été signé par Theresa May, mais l'accord qui n'a jamais été approuvé. Donc l'équipe de jour avait travaillé sur ça. Nous, notre projet de conclusion portait sur des sujets qui ont été finalement traités le lendemain, vendredi. Donc en arrivant, on savait qu'on n'avait rien et qu'on devrait traduire à 2h, 3h du matin un document sur des sujets. On avait une idée des sujets, mais pas du contenu. On a reçu le texte à
2h30 du matin avec 1h15 de délai, ce qui est très raisonnable pour les standards du Conseil. Je vous le montre directement, c'est littéralement quoi, 3 paragraphes et 3 phrases qui flottent. Pour ce document, on a eu donc toute cette préparation, on a eu des équipes de traducteurs qui ont dû rester éveillés jusqu'à 5h du matin. Et pour la petite histoire, l'intra-histoire, je ne sais pas si on lit correctement, mais la dernière ligne du point 6, je vous la lis en espagnol. En la línea de las conclusiones del Consejo de 14 de octubre de 2019, recuerda que algunos Estados miembros han decidido suspender la concesión de licencias de exportación de armas a Turquía. Je peux vous le dire, c'est une référence à un document du lundi 14. Il est passé par moi, c'est le hasard, puisque c'était un document non pas du sommet, mais du Conseil d'affaires étrangères, logiquement. Et l'anglais, et vous pouvez aller le voir, s'il n'a pas été modifié à ce moment-là, l'anglais disait « reminds that member state ». Et on a reçu ça, j'insiste, 3h du mat, et on dit d'accord, « recuerda que los estados miembros », c'est la traduction classique, puisque « member states », « all member states ». Mais une traductrice allemande qui avait suivi la réunion et qui était très au fait de l'actualité fait « mais attendez, c'est pas ça, c'est pas tous les États membres, c'est certains ». État membre. Et elle a posé la question à la personne de garde, de soutien, de planning. On a traduit, 3 minutes avant l'heure à laquelle on devait rendre, on a reçu une réponse. It is to be read as some member states. Toutes les unités en panique, rajouter, transformer los en algunos, les français, les en des, etc., etc. Pour vous dire à quel point, même si tout est étudié, si tout est préparé, le facteur humain, le rédacteur qui a fait ça en anglais a probablement fait ça rapidement. Il était fatigué aussi. Il a oublié de mettre un somme qui a une très grande importance entre dire que tous les États membres ont fait quelque chose ou certains États membres ont fait quelque chose. Donc, je vous disais, c'est probablement beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, en fait. C'est un peu une montagne qui accouche d'une souris. Mais c'est tel est le travail de traduction dans les institutions, parfois. Je vous avais parlé d'autres activités, IAT, rationalisation. Je crois que j'ai répondu à la question d'une camarade. Nous avons des tableaux. Nous devons rationaliser le contenu de IAT dans certains domaines. Toutes les unités doivent les réaliser dans les temps. Nous créons des fiches. Je suis très fier d'avoir créé toute une série de fiches sur le crowdfunding, crowdsourcing, crowd je ne sais plus quoi. Il y avait tout un paquet de fiches. Elles n'existaient pas en espagnol. Elles existent maintenant. Elles sont super. Je vous les conseille. Nous devons aussi valider les fiches. Quand nous créons quelque chose, cela reste uniquement pour les institutions, jusqu'à ce qu'un collègue valide notre travail. C'est la même idée de traduction et révision dont je vous parlais pour la traduction. Nettoyage, il y a énormément de choses, de bruit dans IAT. IAT est le produit de la fusion de 3 ou 4 bases de données, puisqu'avant c'était chaque institution qui avait la sienne. La commission, le conseil, le parlement, les comités, on a tout fusionné, donc il y a des doublons, il y a des termes qui ne sont plus justes, on fait un grand, grand travail de nettoyage. Et finalement, nous aidons les traducteurs. Si un traducteur a un terme très difficile, en finance par exemple, et un délai impossible à tenir, c'est l'équipe de terminologie de garde qui se charge de faire une recherche poussée et de lui dire « mets ça », et après, en général, on traduit ça dans IAT. Voilà pour la partie de présentation du travail. Je passe à la partie qui probablement vous intéressera le plus. Si tout ça a l'air sympa, comment je fais pour y aller? Donc déjà, la façon la plus directe, la plus accessible pour les personnes jeunes, c'est des stages. C'est des stages rémunérés, évidemment, à hauteur de 1 200 € par mois, à peu près. Pendant 5 mois, si vous êtes choisi, que ce soit au Conseil ou à la Commission, au Parlement, c'est plus court, c'est 3 mois, vous ferez partie de la vie d'une unité. Vous aurez en plus tout un programme de visite à d'autres institutions et essentiellement de formation à ce qu'est l'Union européenne. Étant passé par là, je ne sais pas si vous me voyez à peu près au milieu avec une cravate rose, ça doit être la 2e fois de ma vie que j'ai mis une cravate, mais je voulais être très important sur ma photo. C'est une excellente expérience, notamment pour rencontrer des personnes. Car comme partout, si on veut vraiment rentrer quelque part, la meilleure façon, c'est de se faire connaître et ne pas être simplement un nom ou un CV, mais être un visage.
il y a après des possibilités d'emploi, évidemment, si jamais le stage n'est pas assez rémunéré, si vous n'êtes pas intéressé par le statut de stagiaire, tout est possible, ou si simplement après un stage, vous voulez rentrer à l'UE. Il existe plusieurs types de contrats. Donc, de contrats de fonctionnaires, c'est évidemment ce que convoitent toutes les personnes qui travaillent dans l'institution s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires. Comme son nom l'indique, c'est un contrat à vie. Donc j'ai la chance de faire partie de cette catégorie. Mais il y a aussi des agents contractuels. Cela passe par un CAST permanent. Je ne vous ennuie pas avec ça. Si ça vous intéresse, posez-moi la question. Je l'explique dans les détails. On peut être aussi agent temporaire, avec les mêmes conditions qu'un fonctionnaire, sauf que c'est limité dans le temps. On peut être stagiaire. Et évidemment, si on ne souhaite pas être traducteur, on peut être assistant, assistant secrétaire. C'est une question simplement de complexité des tâches qui différencie ces deux catégories. Et tout cela, c'est uniquement à Ling, donc pour les unités linguistiques. Mais si vous êtes passionné de relations internationales, vous pouvez travailler dans une unité politique. Si vous aimez la communication, il y a la communication. Il y a essentiellement des emplois dans absolument tous les domaines. Et si j'insiste vraiment, je dis vous et je le personnalise, c'est parce qu'il y a quelques années, il y a un concours de traduction pour l'unité française. Et j'ai passé le mot sur les réseaux sociaux à des amies traductrices, très bonnes traductrices. Et unanimement, elles ont répondu « Non, non, c'est trop difficile, c'est pas pour moi, je ne pourrai jamais. » Donc le raisonnement, essentiellement, c'était ça. Je préfère ne pas essayer, et comme ça, je suis sûr de ne pas rater. J'aimerais lutter contre cette idée. C'est un concours, voilà en quoi il consiste. Effectivement, c'est un concours long, c'est une année de procédure, des étapes différentes, d'abord des tests de présélection, des tests de traduction, et après on voyage à Bruxelles pour avoir des entretiens et différents types d'épreuves. Encore une fois, si cela vous intéresse, je m'y attarde pendant les questions. Mais je vous encourage à tenter votre chance si ça vous intéresse. Il y a des postes. Pas forcément des postes de fonctionnaires, la situation est compliquée avec le Brexit et l'incertitude, mais il y a des collègues qui partent à la retraite et on a besoin de jeunes traducteurs talentueux. Donc n'hésitez pas à vous présenter. Voilà, je conclue là-dessus la présentation. Vous pouvez retrouver le conseil sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez venir à Bruxelles et visiter le conseil. Il y a des visites guidées avec énormément de matériel pédagogique. Une journée porte aux ouvertes de toutes les institutions. Et je vous laisse prendre la parole car je suis sûr que vous avez des questions. Merci beaucoup. Bon, bonjour. Bonjour, merci. Merci pour cette conférence si intéressante. Et pour les professeurs et pour les élèves de l'UAB. J'ai une question toute bête, en fait. C'est une question que se posent de nombreux traducteurs, aussi bien visant les institutions que ceux qui travaillent pour le marché privé. Combien de mots traduit un traducteur par jour en moyenne? Et à quel point, en quelle mesure, l'aide de la mise à disposition des TAO donc, aide maintenant beaucoup à augmenter cette quantité, ce débit de traduction. Voilà, merci. Donc, merci pour votre question. Alors, il n'y a pas d'objectif, déjà. Nous recevons tous les mois un résumé des documents qui ont été traduits et qui mesure donc notre productivité. Déjà, il faut savoir que nous ne parlons pas en mots, nous parlons en pages nettes. Donc, c'est une unité propre à l'institution. Et tout dépend des mois. C'est-à-dire que, comme je disais, qu'il y avait des moments d'énormément de travail et des moments plus tranquilles. Pendant les périodes d'énormément de travail, on peut doubler ou tripler le nombre de mots que l'on fait en circonstances de calme, par exemple. Donc, les chefs d'unité choisissent si pour eux c'est très important le nombre de mots. Il y en a. J'ai tendance à croire que le nombre de mots ne dit rien. Parce qu'effectivement, comme vous le dites bien avec la TAO, c'est extrêmement facile d'appuyer un bouton et d'envoyer un document. Et ça devient le problème de quelqu'un d'autre. Donc, c'est une attitude que personne n'a, mais qui serait possible, je veux dire. Les moyens techniques sont là de ne pas rendre une feuille blanche en une heure ou en deux heures. Donc,
il n'y a pas vraiment de réponse. Je peux vous répondre que ça fluctue énormément et que tant que le travail est bien fait et personne n'est un tir au flanc, enfin, tout le monde fait ce qu'on lui demande de faire, c'est suffisant. Quant à l'aide de la traduction, nous avions jusqu'à il y a récemment de la traduction statistique, si je ne me trompe, et nous sommes passés à la traduction automatique neuronale. Je tiens à saluer la traduction automatique neuronale. Elle a souvent de très bonnes idées. Elle a souvent aussi de très mauvaises idées. Donc, dans certains textes, et on ne sait pas pourquoi, dans la législation, jamais. Je veux dire, j'ai insisté sur l'importance de la cohérence terminologique, de la précision. Je n'oserais jamais lancer la TAO sur la législation. Mais sur un texte politique, qui donc est plus créatif, entre guillemets, parfois la TAO peut aider. Pour l'instant, il y en a plusieurs à faire des tests, puisqu'on nous demande aussi de faire des tests. Je n'ai pas vu d'amélioration de la productivité. Ce que je gagne d'un côté, où je peux confirmer un segment, je le perds en essayant de réparer quelque chose, une erreur que je n'aurais jamais commise moi-même, en fait. Donc c'est win some, lose some. Pour l'instant, on n'a pas vu, mais c'est assez récent, hein, le passage à la traduction neuronale, on n'a pas vu de gain de productivité majeur. Voilà. Est-ce que c'est possible de passer de traducteur à interprète dans la même institution ? Alors, possible est un mot très large. Essentiellement, tout est possible partout. Après, est-ce que c'est faisable ? Disons que du moment qu'on est fonctionnaire, on peut effectivement demander des changements de carrière. Nous avons des collègues qui étaient interprètes et qui sont maintenant traducteurs. Nous avons des collègues qui viennent de la DGCOM, des collègues traducteurs qui sont passés à relations interinstitutionnelles. Là, une fois qu'on est fonctionnaire, on peut essentiellement répondre à des avis de vacances et se présenter à des postes. Après, est-ce qu'il y aura des postes de fonctionnaires interprètes et vous serez le meilleur candidat, sachant qu'il y a énormément de traducteurs freelance, d'interprètes freelance, pardon, qui interprètent régulièrement avec les institutions ? C'est une autre question. J'avoue que je connais beaucoup moins bien la partie interprétation, ne serait-ce que parce que le Conseil n'a pas de service propre d'interprétation. C'est le SCIC qui prête l'interprétation au Conseil. Donc, ce serait, si vous êtes très intéressé par ça, je pense que les professeurs d'interprétation connaissent mieux la situation actuelle. Donc, je vous dis, c'est possible. Sur le papier, c'est possible. Après, n'oubliez pas, j'ai insisté sur le fait qu'on ne travaille essentiellement que depuis l'anglais. Si je ne me trompe, les interprètes ont besoin d'avoir plusieurs langues, rares en plus, pour pouvoir être réellement utile. Donc, est-ce que moi, par exemple, je serais utile en tant qu'interprète ? Non, pas aujourd'hui. Si je voulais devenir interprète, je devrais apprendre des langues, me former énormément, me présenter, et disons, ça me paraît extrêmement peu probable, mais c'est possible. Voilà. Bon, merci encore pour votre conférence. J'ai deux questions. La première, c'est, vous avez parlé des langues rares pour les interprètes. Alors, si on veut être traducteur, est-ce qu'on a besoin d'avoir des langues rares ? Ça va avec le français, l'anglais ? Ok. J'ai alors une deuxième question. Vous venez de parler des collègues qui sont passés de traducteurs au département de relations interinstitutionnelles. Qu'est-ce que vous voulez dire avec relations interinstitutionnelles et qu'est-ce qu'ils ont fait pour passer ce parti-là ? Merci. Merci pour votre question. Donc, les langues, juste parce que là, je ne sais pas si tout le monde a vu, pour la traduction, c'est essentiellement l'anglais et une autre langue, donc le français, l'allemand, etc. Dans les faits, français, anglais, allemand restent les trois langues les plus importantes, avec encore une fois prépondérance totale de l'anglais. Après, les relations interinstitutionnelles, c'est, donc je n'ai pas insisté pour ne pas vous ennuyer avec ça, mais les institutions parlent énormément pour faire adopter des décisions, des règlements. Donc, il y a des départements dans chacune des institutions en charge de communiquer avec les autres institutions, d'organiser des réunions, de traiter des dossiers, etc. Donc, la personne est rentrée en tant que traductrice parce qu'elle a réussi un concours de traduction. Et au bout d'un moment, elle a décidé qu'elle voulait changer. Il y a une place qui était libre dans ce département. Elle s'y est présentée.
Elle avait en plus une formation de relations internationales. Cela a convaincu les personnes qui devaient prendre la décision et elle a changé tout simplement de travail. Restée administratrice, même grade, simplement maintenant au lieu de traduire, elle s'occupe de documents, d'actes législatifs de l'Union. Je crois qu'elle travaille spécifiquement avec le Parlement. Voilà. Et si alors on aimerait, on dirait, entrer dans cette partie-là, je suppose qu'on doit commencer à un niveau plus bas, mais, ah non, ok. Alors, est-ce qu'on peut trouver des places sur Internet qui spécifient tout ça pour le chercher, essayer? Alors, j'entends que vous voulez travailler en relations interinstitutionnelles. J'aimerais, maintenant que vous l'avez dit, j'ai la curiosité. C'est un poste d'administrateur politique, simplement. Donc, en fait, la voie normale pour entrer, il y a tous les ans, l'EPSA organise ce qu'on appelle le concours d'administrateur généraliste. Donc, s'y présentent essentiellement étudiants en droit, étudiants en sciences politiques, mais aussi économistes, traducteurs, etc., car il n'y a aucune formation requise. Et ce concours-là, donc, donne accès, ou plutôt permet d'être sur une liste de réserve, où vont piocher toutes les institutions et tous les départements des institutions, en fonction des profils de chacun, essentiellement. Donc, disons que la voie la plus directe, ce serait de rentrer, de réussir ce concours-là et de postuler. Par contre, si vous savez déjà que vous voulez travailler là-bas, si la procédure n'a pas changé, il faudrait que je vérifie, mais je ne pense pas, lorsque vous vous présentez à un stage, vous dites « moi, je veux travailler là-bas, j'aime cette unité-là ». Donc, si c'est celle-là qui vous passionne pour une raison quelconque, vous pouvez demander un stage là-bas et voir déjà si ça vous plaît. Et surtout, commencer à voir s'il y a, parce que tout dépend des places en fait. Si c'est une unité où les très jeunes, où les administrateurs sont rentrés il y a quelques années, à moins qu'ils ne décident de changer, il ne va pas y avoir de place avant très longtemps. Je peux vous donner l'exemple d'unité espagnole. Entre 2000 et 2015, ils n'ont embauché personne chez nous parce que personne n'a pris sa retraite. Personne n'est parti, du coup il n'y avait pas de place. Ce n'était pas possible en l'occurrence ici. Ça dépendra de ça et bien entendu, on peut rentrer directement là-bas. Super, merci beaucoup. J'aurais une question aussi à propos de votre santé. Vous avez l'impression que quelqu'un se soucie de votre santé? Plus concrètement, les yeux, est-ce qu'il y a des consignes pour s'écarter un peu des écrans de temps en temps quand vous passez 8 heures de suite sur des textes? Est-ce qu'il y a des consignes ou des droits que vous défendez pour veiller à votre bien-être? Oui, on a une unité de santé et de prévention au sein du conseil. Donc, on a plein d'affiches dans les couloirs, ils nous rappellent des flyers, etc. Ne pas oublier de se lever toutes les heures. On a même des étirements qu'on peut faire simplement en se levant de notre chaise. On peut étirer les bras, etc. Ne pas oublier de regarder au loin. Donc, il y a une unité de santé au travail qui organise des activités et qui s'occupe de nous. On a même une unité d'ergonomie pour être sûr que notre ordinateur est à la bonne hauteur, qu'on a la bonne chaise, qu'on est assis correctement pour éviter toutes sortes de blessures au dos, par exemple, ou aux épaules. Mais ça, c'est des affiches ou on vous invite à participer à des petits cours d'une journée ou de... Alors, il y a les affiches qui sont à la portée de tout le monde et je pense qu'il doit y avoir des formations. Je vous avoue, il y a une telle quantité de formations que je ne connais pas par cœur, je pourrais le consulter et je vous le dirai. Et juste la dernière, des lunettes à filtre, vous en avez? Alors les miennes sont à filtre déjà, mais c'est les miennes. Mais par ailleurs, on peut demander, en cas de fatigue, de migraine par exemple, si le médecin considère que c'est à cause de l'ordinateur et qu'on aurait besoin de lunettes à filtre, le système de santé des institutions les prend intégralement en compte. Donc, on nous finance des lunettes pour éviter les problèmes oculaires. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Je vais être toute la journée à la fac.
Si vous avez encore des questions que vous voulez me poser de façon plus personnelle, n'hésitez pas sur le travail, sur les concours, sur ma vie, ce que vous voulez. Je suis à votre disposition et merci beaucoup pour votre attention. El viernes se me olvidó dar las gracias a los intérpretes y hoy tengo que dar las gracias a los intérpretes de hoy y a los del viernes pasado. Me riñeron con razón. Merci beaucoup.